jour 1, j'ai ici une omelette garnie aux champignons, oignons. Et je l'ai posée sur un pain de seigle. En bas, il y a du bacon. Pain de seigle, c'est 4 grammes de glucides nets. J'ai un petit peu d'arachide et ce petit treat keto friendly. J'ai aussi mon smoothie. Ça, c'est le premier repas. Je suis dehors. Je profite du soleil. Oh yeah. Du saumon ce soir avec salade kale. Kale salad. Yum. Kale salad. Yeah. Ça, c'est mon smoothie que je suis en train de traiter. Et j'ai un petit peu de jambon là que je vais manger avec du pain charbonneau. Le restant de salade d'hier, ça a pris une couleur qui n'est pas très jolie là, mais bon. Donc, pain keto friendly. J'ai ici une tranche. On peut trouver ça au Costco. Bon, l'emballage est en bas, mais c'est ça. Donc, je vais encore griller un petit peu plus. Je vais manger ça avec du jambon et du beurre. Donc, c'est ça. Voilà. J'ai rincé mes assiettes et je vais continuer ma journée. Je vais continuer à aller travailler. Le challenge 1 meal a day et jeûne prolongé, je l'ai fait juste une semaine. Et là, j'ai vu que j'ai dit ok, c'est bon là. Donc, cette semaine, ce que je fais, c'est que je mange 2 fois par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et 1 fois par jour vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'en fin de semaine, j'ai souvent tendance à exagérer. Donc, je fais mon omad en fin de semaine et au courant de la semaine, je mange 2 fois. Donc, c'est en fait ça mon plan cette semaine. Ce soir, je vais avoir un repas assez copieux. C'est un repas de chez moi, de chez nous, traditionnel. C'est assez copieux parce qu'il y a des arachides à l'intérieur. Mais ce genre de repas, vraiment, je fais rarement. Donc, je vais le faire pour que les autres ils puissent quand même le manger. Et j'ai pas trop le temps ni le goût de faire un truc totalement à part pour moi. Donc, je vais manger ça. Sauf le complément que je vais essayer d'ajuster pour moi. Et c'est ça pour cette journée. Repas 2, c'est le dolet. À la camerounaise, mais les vrais camerounais vont dire que j'insulte le plat parce que je mange avec du zucchini frit au lieu du plantain frit et du miandor. Bon, je vais peut-être goûter un petit peu là-bas, mais pour ne pas faire des désordres, voilà mon plat du jour 2. 2 repas par jour. Peace. Les œufs durs et l'avocat, et j'ai mon milkshake
Ces derniers temps, je suis vraiment en amour par rapport à ça. C'est léger, c'est pas, enfin, c'est plus liquide, c'est pas lourd. Avec la chaleur, je préfère ça plus liquide. Donc, c'est une sorte de milkshake. Et ici, j'ai un pain de seitan. Il y en a plusieurs sortes. Ça, c'est keto friendly. C'est juste 2 grammes de glucides nets. Parce que pour une tranche, c'est 8 grammes. Non, 6 grammes de glucides total. Mais dans les 6 grammes, il y a 4 de fibres. Donc, net, c'est 2 grammes. Tout à fait bon. C'est ça que j'ai pour premier repas. Today is the day. Cauliflower rice. Riche aux fleurs, avec du poulet et des brocolis. C'est ça, le jour. Mongo fire. Deuxième repas, jour 3. Ce midi, je vais manger un petit peu tard. Parce que le travail. Ok. Premier repas du jour 4, c'est un repas bien copieux, composé des œufs, d'un chafaud. Ça, c'est à base d'œufs, du bacon. C'est à tendance carnivore, mais ce n'est pas, parce que j'ai un petit peu de fruits. Et voilà. Donc, c'est ça pour le repas 1 du jour 4. T'as dit les boutons sont finis. Today is a pâté. Les boutons sont finis. La viande hachée, du pâté et des chafauds aux œufs. Ça, c'est un peu plus proche du carnivore, mais il y a un peu de carottes là, mais bon, c'est pas mal quand même. Je me rapproche tout doucement. Deuxième repas du jour 4. Jour 5, vendredi. Mon premier repas, c'est une crêpe que j'ai faite avec un œuf, un blanc d'œuf, un œuf entier, un blanc d'œuf, utilisé protéines, c'est ça que j'ai utilisé. Ça, parfois, je mets dans le smoothie, mais j'ai utilisé ceci. J'ai mis juste un petit peu et j'ai frit deux œufs avec du bacon. Donc, c'est ça pour mon premier repas. J'avais prévu manger juste un repas aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que je vais manger juste un repas parce que souvent, pendant mes périodes, j'ai tellement faim. Donc, on va aller pour ça pour le repas 1. Ce soir, ma bouffe, je l'ai posée sur ma chaise. Donc, c'est ça que je vais manger, un restant de pizza keto, évidemment. J'avais fait le jour de la plage et j'avais congelé parce que personne d'autre n'a voulu le manger. Donc je vais manger ça et ça c'est du pâté. C'est fait avec des foies de bœuf et je me rappelle plus si j'ai fait celui-ci avec du poulet haché ou du bœuf haché, je me rappelle plus. Mais c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est du pâté. Bon, ça c'est mon deuxième repas. Qui se rapproche encore du carnivore. Ici, et dans cette pâte, il y a un petit peu de farine d'amande, du fromage et puis la sauce et la viande hachée. Donc, c'est vraiment faible en glucides et ça sera dans ça. Je pense que je vais juste ajouter du piment parce que moi, j'aime le piment. Ça, c'est bon pour le deuxième repas du jour 5. Yummy! Aujourd'hui, j'ai encore une commande de pain. Cette personne commande toujours 10 pains à la fois, 10 pains keto. Et son préféré, c'est celui-ci, pain keto banane. C'est très, très léger, à peine un carb, un gramme de glucides, à peine. Donc, c'est très, très léger ça. C'est banane entre griffes parce que je mets pas la vraie banane, évidemment. Je mets le banane flavor. Donc le flavor de banane, c'est ça. Je sais pas pourquoi. L'essence de banane, c'est ça que je mets.
Et ici, j'ai fait d'autres pains. Ici, c'est aux zucchini. On peut voir, c'est légèrement vert parce qu'il y a des zucchini à l'intérieur. Donc, j'en ai fait deux de zucchini, 6 bananes, 6. Et j'ai fait deux autres qui sont assez classiques. Donc, ça, c'est deux nouvelles recettes que j'ai testées, deux différentes. À chaque fois, je lui fais une ou deux recettes différentes pour qu'il découvre d'autres saveurs de pain keto. Donc, ça, c'est cool. Hein?